Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de notre première semaine avec les enveloppes budgétaires. Donc comme vous le savez, j'ai commencé les enveloppes budgétaires ce mois-ci en octobre. Je vous invite à aller voir la vidéo de mon budget, de mon premier budget et de mon remplissage. Donc on va faire un petit point ensemble. Pas avoir grand-chose à dire puisque j'ai que l'alimentation où je suis en remplissage à la semaine. Le reste, pour le moment, je suis en remplissage au mois. Donc, on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne, faire regarder ce qu'on a déjà dépensé, ce qu'il nous reste. Et puis, comme vous savez, je vous avais dit que j'allais faire un petit vide-grenier. Donc, on a gagné des pépettes parce que j'y suis allée avec Léna. Donc, qui dit qu'on a gagné des pépettes dit qu'eh bien, il va falloir les mettre quelque part. Désolée pour la voix horrible, mais je suis enrhumée, donc j'ai chopé un petit coup de froid, donc d'où le fait que je n'ai pas une voix extraordinaire. Alors, on va commencer par le suivi du gasoil. Donc, le suivi du gasoil, comme je vous avais expliqué, moi, ça sera une enveloppe virtuelle puisque je fais mon plein par carte bancaire. Donc, j'ai fait un plein d'une valeur de 64,65 €. Donc, il me reste pour terminer le mois 135,35 €. Voilà. Et ensuite, alors l'alimentation, j'avais hésité à fonctionner en cascade. Parce que le mois dernier, j'avais tout noté, alors que je ne faisais pas les enveloppes, mais j'avais tout noté. Et en fait, comment dire, j'avais économisé sur le mois 40 euros, 80 euros, pardon. Mais c'est vrai qu'au début du mois, je vais acheter tout ce dont j'ai besoin. Et beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'achète et qui me dure tout le mois en fait. Donc là, sur les 80 euros de cette semaine, il me reste 1,55 €. Alors je vous avoue que j'ai même pas pris mon portefeuille en fait, parce que clairement 1,55 €, il m'aurait resté plus de 10 euros. Bon, là oui, j'aurais pris, je les aurais mis quelque part en épargne. 1,55 €, je les laisse dans mon portefeuille, je trouve que ça sert à rien. Donc on va juste noter. Alors, on est le 9 en soirée, vous aurez la vidéo le 10. Et de toute façon, je n'irai pas faire mes courses avant mardi ou mercredi. Donc, on va mettre le 10, dépôt, 80 euros. Donc, on va dire que j'ai 81,55 euros. Techniquement, j'ai plutôt tendance à fonctionner en cascade. Donc, je pense vraiment que probablement, je vais faire des économies. Pas cette semaine, je pense pas. 40, 50, 60, 70, 80. Hop, ça, je les mets de côté. Ça sera pour l'alimentation cette semaine. On verra. Mais je pense que je fonctionnerai en cascade pour les mois prochains. Je mettrai peut-être 100 euros pour la première semaine. Et après, je diviserai le reste. Je ne sais pas encore, mais comme je vous avais dit, il va falloir 2-3 mois, je pense, que pour que je trouve mon rythme et ce qui me convient à moi. Parce qu'on voit plein de choses qui se font. Mais entre ce qui se fait et ce qui va nous convenir à nous, il y a forcément. Bah, des fois, ça correspond, mais des fois, ça ne correspond pas. Donc, je crois qu'il faut savoir écouter ses besoins. Et c'est ce que je vais faire sur les premiers mois de gestion budgétaire. Ensuite, resto soirée, on est allé dîner avec Léna vendredi soir. On en a eu pour 20 euros. Donc, il nous reste 20 euros sur notre budget de 40. Et ça, clairement, je peux vous dire dès maintenant que c'est un budget qu'il va falloir que je gonfle parce que 40 euros par mois, on aime sortir, on aime partager des moments avec nos amis. Et je peux vous dire que 40 euros, ça ne suffira pas. Les mois où j'en ai trop, je mettrai en épargne. Mais par contre, je n'ai pas envie d'être frustrée parce que j'utilise cette méthode. Et c'est vrai que j'ai fait une moyenne très basse par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Et en fait, ça va pas. Il faut que je nous laisse plus de la possibilité de se faire plaisir. Et aujourd'hui, on est allé faire un petit goût. On est allé faire une balade au parc avec des amis. Et on a fait un petit goûter. Donc, on a pris 10 euros pour le goûter dans l'enveloppe loisirs. Et je crois que c'est les seules dépenses que je vais avoir. Santé. Donc, alors attendez. Maison, j'ai rien dépensé. Pharmacie, j'ai pas besoin. Santé non plus. Alors, santé, oui, vous allez me dire, elle nous dit santé, elle n'a pas besoin, mais elle est malade. Alors, moi, je me soigne beaucoup avec les huiles essentielles, l'aromathérapie. Donc, là, je vais mettre des huiles essentielles de Ravintsara, faire une petite inhalation d'eau chaude avec de l'eucalyptus. Et au fur et à mesure, ça va revenir tranquillement, mais je prends pas de médicaments. Shopping, 40 euros, il n'y a eu rien eu besoin. Vapote, 10 euros. Et d'hiver, on a toujours les 20 euros. Sachant que je vous dis qu'on n'a pas fait d'économie, mais quand même. Parce que
en faisant le premier. Quand je vous ai fait la vidéo retour de course, on avait un billet de 5 euros de rendu monnaie. Donc je l'ai mis directement ici. J'ai une enveloppe qui ne me sert pas. Donc j'y mettrai mes économies pour les défis. Défis qu'on remplira ensemble à la fin du mois, puisque je n'ai toujours pas pu imprimer les petits défis que j'avais créés. Et Léna a été invitée à l'anniversaire d'une copine. Donc je suis allée chez Jouet Club. Donc nous, on a un budget de 50 euros et vous voyez qu'il me reste que 30 euros. J'en ai eu pour 14,99 €. Bon, comment vous dire 15 euros, hein? Je ne suis pas au centime. 15 euros et j'ai eu 5 euros en rendu monnaie aussi. Donc je l'ai mis ici. Voilà. Voilà pour ce premier petit bilan ensemble. Et puis après, il faut quand même qu'on fasse le bilan de tout ça. Alors, on va commencer par les choses faciles. Sachant que j'ai déjà déduit, puisque c'est une amie qui m'avait avancé l'emplacement, on avait réservé ensemble. Donc, ce que je vais compter là, c'est réellement ce que j'ai gagné. 20, 40, 50, 60, 70, 2, 4, 6, 8, 10, 80. Je vais faire les petits tas de 10. 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, donc alors on avait dit 40, 50, 60, 70, 80, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Oh, il y a eu un problème. Ah non, c'est bon. Et 10. Et baissant. Tout rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 100 euros. Bon, c'est quand même pas mal. Mais je suis quand même contente. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre 10 euros que je vais mettre ici. Et je vais prendre des pièces. Alors, pas que des pièces d'un euro. On va voir ce que ça donne comme ça. On va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça, je vais le mettre dans le portefeuille pour les courses. Et tout ça, il va falloir qu'on les épargne. Alors, je vais être honnête avec vous. Je sais déjà qu'il y a 20 euros que je vais rajouter d'un anniversaire. Que ce mois-ci est chargé. Donc ça c'est fait. Je vais me le noter avec vous parce que sinon je vais oublier. Oh, j'ai pas mon stylo. Hop. Donc on est le 10 plus 20 euros. Donc j'ai 50 euros. Ça c'est cool. Ensuite, ça non, ça c'est que mes enveloppes quotidiennes. Donc on va rester dans l'épargne. Par contre, il va peut-être falloir que je remette ça là-dedans. J'avais laissé ouvert. Tout va bien, Mathilde. Hop, 50 euros, parce que ce mois-ci, alors j'ai déjà acheté le cadeau de ma maman, donc il y a l'anniversaire de ma maman, j'ai les 30 ans d'une amie, c'est Halloween et les 40 ans du mari d'une amie, donc bon, voilà, donc moi ça je pense que Mathilde, ça va partir clairement à l'anniversaire de la copine. Anivelena, je mets pas plus, Noël, jour et assez, rentrée. Ça sera bon, vacances, pas besoin, voiture, week-end, je vais rajouter 20 euros. cent, 220, 240, 260. Et oui, je m'étais plantée là. Septembre, c'était 220.
220 euros. Ensuite, le 1er octobre, on a rajouté 20 euros. Donc, on était à 240. Et là, on est le 10. Je rajoute 20 euros. Donc, on est à... Alors, 220, 220, 240. Et là, on est à 200. J'ai un problème avec les chiffres. 260. Heureusement que je me comprends. Donc 260 euros pour Paris, ça c'est top. Faut que ça avance de toute façon. Fonds d'urgence, j'y mets rien pour le moment. Qu'est-ce que je vais faire des 40 des sous qui restent? Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Ça, au fond là, c'est la princesse qui mettra dans son portefeuille. Donc moi, je vais lui mettre dans une enveloppe. Elle le mettra où elle veut, parce qu'on a quand même vendu énormément de choses à elle. Donc je lui avais dit qu'elle aurait son petit billet. En plus, elle a été adorable, parce qu'elle est venue avec nous toute la journée. Donc je lui mets dans cette enveloppe là. Et elle en fera ce qu'elle veut après. Elle le répartira comme elle veut. Hop. Ah si, je sais ce que je voulais faire. Comme ce mois-ci, je vous dis, on va devoir gonfler un peu le budget. Je vais rajouter 20 euros dans soirée resto. Été rajouté. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire des 10 euros? Ben, je vais les mettre dans 10 verres. Ou les 10 euros, vous savez, je vais les mettre dans épargne défi. Et puis, je verrai bien ce que j'en fais en fonction de ce que j'ai besoin. Et je vais mettre toutes les pièces aussi. Parce que pour le moment, j'ai pas de petit pot. En attendant de voir à Elena, on fera un petit pot. Et après, je pense que quand on sera arrivé à un montant fort sympathique. Dans ce cas-là, on mettra directement dans une machine, typiquement chez Leclerc, Auchan. Je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça, où en fait ça devient un bon d'achat. Mais voilà, ça a été rapide. J'ai les 80 euros là pour l'alimentation cette semaine. Je pense vraiment qu'on testera différemment le mois prochain. Et puis en fonction, je verrai comment je me sens le mieux, comment. Voilà. Aussi pour faire des économies, mais sans être frustrée. Donc, je sais que je consomme toujours plus en début de mois qu'en fin. S'il y a des choses que j'achète en grosse quantité ou je profite de promos sur des choses qu'on consomme. Donc, voilà, on verra, mais je pense que l'année, le mois prochain, on fonctionnera probablement différemment. Voilà, et eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, la semaine prochaine, normalement, pour le petit bilan de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire si vous aimez ce que je viens de vous partager. Et on se retrouve très très rapidement. À bientôt!